Bonsoir à tous, bienvenue sur le chat Biathlon comme tous les mardis à 18h. Je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 18h30 pour parler de nutrition, de diététique, répondre à vos questions sur le programme Biathlon, mais pas que. Donc, comme tous les mardis, on va commencer par la petite minute diététique. Cette semaine, c'est sur les équivalences alimentaires qui peuvent vous servir notamment pendant la journée libre. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions sur le programme et autres, et puis j'y réponds. Voilà, donc du coup, petit laïus déjà sur les équilibres, les équivalences entre les aliments. Donc déjà, je pense que vous avez dû recevoir le livre « Réussir mon programme », le tome 1, dans votre premier colis. Et devant page 10, je vous parle de la journée libre. Voilà, donc là, vous avez toute la structure que vous pouvez faire pendant la journée libre si c'est vous qui cuisinez. Vous savez que vous avez une journée libre par semaine. Journée libre ne veut pas dire que vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez, mais bien que vous allez pouvoir changer un petit peu des plats préparés diéton. Et le but, ça va être de réussir à se faire plaisir, de réussir à sortir en allant au restaurant, en allant chez des amis ou à cuisiner par soi-même. Alors, l'idée pour se faire plaisir, ça va être d'utiliser les équivalences entre les aliments. Alors, vous avez des équivalences simples. Par exemple, une portion de fromage, ça va être équivalent à deux yaourts nature 0%. Par exemple, 15 g de chocolat, ça va être équivalent à un fruit. Et puis, vous allez avoir des équivalences un petit peu plus complexes et qui peuvent être sympas si vous voulez manger d'autres choses. Donc, par exemple, vous allez avoir une saucisse, par exemple une chipolata, ça va être équivalent à votre portion de viande plus 10 g de matière grasse. Donc, vous pouvez supprimer les vinaigrettes de la journée et la portion de viande du midi et prendre une chipolata à la place. Donc ça, bon, là, on est en automne, on n'a plus trop de barbecue, mais ça peut être pas mal à ce moment-là. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec, par exemple, des viennoiseries le matin au petit déjeuner, vous pouvez prendre un croissant, ça va être équivalent à votre portion de féculents, plus 15 g de pain, plus le beurre. Alors, en plus, ça permet, ces équivalences-là, de bien vous rendre compte de ce que ça implique. On peut se dire, oui, un croissant, de temps en temps, ça fait pas de mal, ouais, mais vous vous rendez compte, c'est à la place des féculents, du pain, de la matière grasse. Donc, vous allez pouvoir utiliser ça pour vous faire plaisir sans que ce soit un écart et sans qu'il y ait besoin de compenser. Et en même temps, ça vous permet de prendre conscience, justement, de ce qu'apportent les aliments. Alors, on peut parler de calories, on peut s'amuser à regarder les calories de tous les aliments et compter les calories, etc. Mais je trouve que c'est encore plus parlant en termes d'équivalence, parce qu'on se rend vraiment compte qu'un aliment, pour pouvoir le consommer, il faut supprimer plusieurs autres aliments de la journée. Et parfois, il vaut mieux manger un peu plus diététique, un peu plus équilibré, on aura plus en quantité. Si vous avez du pain avec des féculents, du beurre, ça fera plus en volume qu'un croissant. Bon, après, effectivement, le côté festif et le côté plaisir n'y est pas. C'est pour ça que c'est bien d'alterner et de savoir qu'on peut faire les deux. L'équivalence dont j'aime bien parler, c'est si vous allez au restaurant notamment, c'est de consommer deux boules de sorbet à la place d'un fruit. Comme ça, vous avez vraiment l'impression d'avoir un petit dessert sympa, festif, qu'on apprécie au restaurant. Et en même temps, c'est vraiment équivalent en termes de calories à un fruit. Donc ça peut être pas mal. Si vous êtes invité à un anniversaire, et vous souhaitez prendre une part de gâteau au chocolat, une petite part de gâteau, ça va être 30 g de pain, 10 g de beurre et un demi-fruit. Voilà. Donc, ça vous permet de voir aussi un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, vous avez un peu de gras, un peu de féculent, un peu de sucre. Voilà. Ça vous permet de jongler là-dessus. Alors, du coup, je ne vais pas tout vous dire. Je vais juste vous remettre le lien de l'article qui parle de ça que j'avais écrit. Vous avez pas mal d'équivalences qui sont notées. Et du coup, je vous invite à revoir cet article s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc, je vous ai mis le lien de l'article. N'hésitez pas à aller voir les équivalences, à les utiliser soit dans la semaine, soit sur la journée libre si ça vous intéresse. Après, ce qui peut être intéressant, c'est s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, par exemple une crème dessert au chocolat ou par exemple un cornet de frites, des choses comme ça qui ne sont pas justement dans cette liste d'équivalences. N'hésitez pas à en parler à votre diététicienne lors de l'entretien ou alors
à me dire d'un chat à l'autre, et comme ça, moi je fais les recherches et puis je peux vous dire à quoi ça correspond et par quoi vous pouvez le remplacer. Alors, du coup, j'essaye de reprendre, je vois qu'il y a eu des petites questions. Alors, devine, est-ce que je peux prendre tous les matins 40 g de pain plus 10 g de beurre en alternant avec les pancakes? Alors, oui, ce qu'il y a, c'est que normalement, c'est plutôt 40-50 g de pain nature à la place des pancakes. Mais on va dire OK pour le beurre. Dans ce cas, ne prenez pas de sauce vinaigrette dans la journée. Vous savez que vous avez une crudité vinaigrette qui est prévue. Si vous prenez du beurre le matin, il n'y a pas de sauce vinaigrette dans la journée. Alors, Fèvre, des salades ce serait bien ou des plats que ça change de temps en temps? Ça fait un moment qu'ils ne proposent plus de nouveaux plats. Alors, c'est pas vrai, Fèvre. Il y a eu des nouveaux plats il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Donc, on essaie de sortir des nouveaux plats tous les 2 mois à peu près. Et on a pas mal de salades. Là, on est en train de sortir des soupes. Et on a plus de 42 plats différents. Donc là, ça devient quand même pas mal. Pensez aussi à d'une livraison sur l'autre, à modifier hein, les plats pour pouvoir tester les autres plats que vous ne connaissez pas. Ok, alors, Grigor, pour le laitage permis, si on remplace par du fromage blanc 0%. Alors, tout à fait, pour ce qui est laitage, en fait, vous pouvez consommer des laitages nature ou aux fruits ou aromatisés. Il ne faut pas que ça dépasse 65 calories par pot. Donc, grosso modo, ça fait des laitages nature au lait demi-crémé. Après, si vous prenez des yaourts ou des fromages blancs aux fruits aromatisés, ça va être du 0%. Voilà, donc pour les faisselles, les fromages blancs, les petits suisses, restez plutôt sur le 0%. Et pour les yaourts nature, vous pouvez passer sur des yaourts au lait demi-écrémé. Alors, devine, c'est bien mieux, ok, mais j'ai entendu la réponse, ok. Alors, Yvette, peut-on prendre du lait demi-écrémé le matin? Alors, tout à fait. Le matin, vous pouvez prendre un produit laitier, donc ça peut être un yaourt, un fromage blanc, et ça peut être aussi effectivement un verre de lait écrémé ou demi-écrémé. Vous ne dépassez pas 200 ml et il n'y a pas de souci. Alors, tant mieux si les plats vous plaisent de vigne en général. Alors, Gringer, peut-on ajouter un peu de graines de lin dans le yaourt? Ça favorise le transit. Alors, oui, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe par jour, pas plus. Si vous rajoutez 2 cuillères à soupe à chaque repas, ça, vous savez qu'avec les graines de lin, on fait de l'huile. Hein, c'est comme toutes les graines oléagineuses, le sésame, les amandes, les noisettes, les noix, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les graines oléagineuses parce qu'on fait de l'huile avec. Donc, effectivement, ça peut être bon pour le transit. Vous pouvez vous accorder une cuillère à soupe de graines de lin, mais pas plus. Sinon, si vous en prenez plus, il va falloir, pareil, supprimer la vinaigrette de la journée. Alors, Fèvre, il y a une ou deux salades qui ont changé, c'est tout. Sinon, il y a du poisson et j'en prends pas. Et il y en a un exemple, il y a des salades de thon. J'aimerais bien, mais il y a du thon dedans. Ah, d'accord. Donc, effectivement, il y a peut-être eu des nouveaux plats, mais des nouveaux plats à base de poisson. Donc, forcément, si vous n'aimez pas ça, ça limite un peu. Par contre, le risotto, j'ai goûté une fois, c'est sûr que j'en reprendrai plus. D'accord. Bon, après, il y a les goûts et les couleurs. Hein. Il y a des plats qui plaisent beaucoup à certaines personnes et pas à d'autres. C'est pour ça aussi qu'on essaie d'avoir une gamme la plus variée possible avec des viandes, des poissons. Et on essaie de développer sur les plats végétariens pour justement que ça convienne au plus grand nombre. Alors, je hais la vinaigrette, donc je préfère manger des graines de lin. D'accord. Et bien, alors comme ça, c'est parfait. Alors du coup, Maya, Lisa, Roustan, est-ce que vous aviez des questions vous aussi sur le programme? Alors bien évidemment, peut-on manger le laitage au dîner plutôt qu'au goûter pour finir sur une note sucrée? Alors tout à fait, c'est vrai que ça j'en parle en général au chat. Donc toujours dans le petit livre, et sur mon programme, vous avez page 8, la structure femme, la structure homme. Donc, forcément, comme c'est un livre, j'ai un petit peu figé les choses en vous donnant un exemple de structure.
En fait, ce qu'il faut simplement se rappeler, ce dont il faut simplement se rappeler, c'est que vous pouvez rajouter, vous avez des produits diètement, vous avez le produit de petit déjeuner, le plat du midi, le produit de collation et le plat du soir. Vous avez 4 produits diètement dans la journée. Selon si vous avez un abonnement flexibilité ou pas, vous avez en plus la compote. Donc en fait, sur la journée, vous avez 2 laitages, 1 ou 2 fruits selon si vous avez les compotes. Enfin, vous avez 2 laitages, 2 portions de fruits et une crudité vinaigrette à rajouter dans votre journée. Après, libre à vous de les rajouter là où vous voulez. Si vous voulez prendre le matin un laitage et un fruit et puis avoir en collation l'autre laitage et l'autre fruit, il n'y a pas de problème. Si vous préférez avoir les laitages en dessert midi et soir, aucun souci. Dans ce cas, vous prenez le fruit le matin et l'autre fruit en collation. C'est vraiment à vous de décider en fonction de vos habitudes alimentaires, en fonction de vos envies, de votre faim, et ça peut être différent en plus d'un jour à l'autre. Donc là, c'est vraiment très souple de ce côté-là. De la même façon pour les crudités, si vous voulez avoir des crudités le midi et le soir, il n'y a pas de souci. Simplement, il y a juste une crudité, une vinaigrette par jour. Donc une cuillère à café d'huile sur la journée. Après, les autres crudités peuvent être assaisonnées avec un jus de citron, avec un filet de vinaigre balsamique. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, vous êtes vraiment libre par rapport à ça. Alors ensuite, Yvette, c'est 200 ml de lait autorisé le matin ou en dehors du jour libre? Alors en fait, le lait, vous prenez du lait écrémé ou demi-écrémé, il va remplacer le laitage. Donc là, je viens de vous dire que vous avez deux laitages, 2 portions de produits laitiers dans la journée. Donc ça peut être un yaourt et un fromage blanc, ça peut être 2 petits suisses et un verre de lait. Voilà, c'est à vous de choisir les 2 produits laitiers que vous voulez prendre dans la journée. Alors le risotto est bon pourtant, mais trop bizarre l'aspect. Et le tomate farcie, c'est avec viande ou spaghetti, un peu de viande dedans. Ben, malgré que c'est bon, ben, il n'y en a presque pas. D'accord, alors je ne comprends pas tout. En gros, vous trouvez ça bon, mais vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment de viande peut-être. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours comme ça sur les plats, parce que nous, après, on en discute avec notre responsable recherche et développement et on essaye de s'améliorer sur les plats, ou ça peut nous servir aussi quand on développe de nouveaux plats. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça. À quel moment est-il préférable de manger le carré de chocolat? Alors, peu importe, ce qu'il faut voir, c'est à bien vous limiter à un seul carré de chocolat. Si vous voulez plus de chocolat, bah vous pouvez prendre 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit. Après, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre du chocolat noir, au lait ou blanc, peu importe, mais évitez les chocolats qui sont fourrés, auxquels on a rajouté des écorces de fruits confits, des amandes, des noix, peu importe, parce que là, ça va rajouter des calories supplémentaires. Par contre, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, c'est kiff-kiff, c'est entre 500 et 550 calories les 100 grammes. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le chocolat que vous voulez. Limitez-vous à un seul carré, essayez de bien fondre dans votre bouche pour bien en profiter. Et ne prenez pas plus. Voilà. Après, que ce soit après un repas, entre les repas, peu importe. Alors, Justine, comment relancer la perte de poids? Alors, quand vous stagnez, déjà, il faut essayer de voir pourquoi vous stagnez. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que vous suivez le programme, que le corps commence à s'habituer? Est-ce que petit à petit, il n'y a pas eu des petites dérives, des petits écarts parce que vous êtes habitué, parce que vous avez l'impression d'avoir le programme bien en main et vous vous dites « Oh, ben c'est bon, j'ai déjà perdu 5 kilos, 10 kilos, je peux m'accorder un petit morceau de pain en plus par-ci, un bonbon par-là. » Et au final, ça va être autant de calories qui vont supplémentaires dans votre journée. Voilà. Oui, donc il faut essayer de voir s'il y a pas eu des dérives, si vous n'avez pas changé vos arrêter de faire du sport. Voilà. Après, une fois que vous avez analysé ça, bah, si vous vous rendez compte déjà qu'il y a des petits dérives, reprendre bien strictement le programme et puis essayer d'augmenter l'activité physique. Donc c'est normal de stagner au bout de 5-6 semaines de programme à peu près. De toute façon, il y a des paliers de stagnation pour toutes les personnes qui cherchent à perdre du poids. Donc ça, c'est pas un souci. Il faut s'accrocher. Parfois, ça dure 2-3 semaines de stagnation de poids et puis ça repart à la baisse. De toute façon, tant que votre IMC est en surpoids ou obèse, vous allez continuer à perdre du poids. Donc ne vous inquiétez pas. Accrochez-vous et puis vous verrez que ça va repartir à la baisse.
Alors, on met le goût, le chocolat, la perte de poids. Alors, Wenger, je vois que certains plats frisent les 370 calories, d'autres les 220. Est-ce mieux de mixer ce genre de plats sur une journée? Quel impact si on prend deux plats à plus de 300 calories? Alors, effectivement, on a même des plats, genre l'omelette avec les champignons. Elle fait, je crois, 170 ou 180 calories. Et celui avec le petit flan et les artichauts, il y a plus de. Il y a un 400 ou 410 calories. Donc, on peut avoir vraiment un grand éventail au niveau des calories plats. Maintenant, la moyenne des plats, c'est 300-350 calories. En fait, le truc, c'est que si vous alternez bien les plats d'un jour à l'autre, d'un repas à l'autre sur la semaine, ça s'équilibre. Donc, effectivement, vous pouvez essayer de mixer ceux à 350 avec ceux à 100, 180. Maintenant, nous, on essaie de vous livrer un programme clé en main pour que ce soit le plus simple possible, que vous soyez le plus serein possible. Donc, on n'a pas envie de vous faire calculer les calories, de vous faire retourner toutes les boîtes, etc. Donc, si vous préférez faire comme ça, vous pouvez, mais sachez que de toute façon, dans la mesure où vous avez des plats différents à chaque repas et tous les jours de la semaine, maintenant, si vous avez commandé que des linguines à la bolognaise, forcément, il va y avoir un souci. Si vous avez des plats bien, bien différents, ça va s'équilibrer sur la semaine et il n'y aura pas de problème. Alors, en tout cas, niveau carton boîte, etc., là, c'était bon, pas de coque, rien, mais d'autres fois, la tête des boîtes est cartonnée. Alors oui, on essaye aussi là d'être à l'écoute. Je sais qu'on essaye de mettre maintenant des intercalaires en carton à l'intérieur des colis pour que les plats bougent moins. On essaie de sensibiliser au niveau de nos transporteurs, de faire attention, de ne pas balancer les colis dans les camions, etc. Donc voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les remonter au service client, parce que même si c'est un prestataire et que ça ne dépend pas de nous directement, bah, c'est quand même la satisfaction de nos clients qui est en jeu. Donc c'est important pour nous de pouvoir justement après remonter ça au transporteur. Alors, oui, en lait, quel lait vous conseillez? Du lait demi-écrémé et crémé. Alors, en gros, si vous prenez du lait écrémé, vous allez pouvoir en prendre 200 ml. Et si vous prenez du lait demi-écrémé, ça sera plutôt 150 ml. Mais bon, on n'est pas à 20-30 calories près, il n'y a pas de souci. On va éviter le lait entier, parce que là, pour le coup, ça augmente vraiment les calories. Mais prenez selon ce que vous préférez, ce vers quoi vous avez l'habitude, en fait. Si on veut plus de compotes, par exemple, si on veut les enlever de la commande, où doit-on aller? Alors en fait, Fèvre, tout dépend. Bah non, même pas. Parce qu'en fait, si vous avez pris un abonnement flexibilité avec compote, bah de toute façon, c'est déjà enregistré que vous allez être prélevé de 240 euros par mois. Et si vous n'avez pas un abonnement flexibilité, de toute façon, les compotes font partie du package, vous ne pourrez pas les supprimer. Donc après, si vous ne voulez pas les manger, bah, gardez de conservation. Donc vous pouvez les manger petit à petit, mais vous ne pourrez pas les supprimer du package. Ok, vous avez un pack, donc vous ne pourrez pas les supprimer. Pour éviter de retourner en course, j'en mets dans mon café. D'accord. Vous mettez du lait, d'accord, ok. Mais si c'est juste un petit peu de lait, effectivement, pour ajouter dans le café, si ce n'est pas un bol entier de lait, vous pouvez vraiment prendre le lait que vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, Gilles, moins 1,3 la semaine dernière, donc ça c'est bien, presque 25 kilos de perdu au total, toujours au top, mais j'ai souvent faim. Est-ce lié à l'activité sportive? Deux séances de fitness, marche, abdos. Alors oui, effectivement, ça peut être dû à ça. Alors en plus, vous perdez plus d'un kilo par semaine, donc peut-être rajouter du pain. Est-ce que je vous avais dit, je me demande si je vous avais pas parlé de rajouter une banane la semaine dernière? De rajouter une banane et du pain. Vous avez fait? Ouais. Ok. Et malgré ça, vous avez encore un. Et ben dans ce cas, vous pouvez rajouter en plus. Donc vous avez rajouté banane et pain et vous avez malgré ça perdu quand même 1,3 kg dans la semaine. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même rajouter, que vous allez continuer à perdre même si vous rajoutez encore. Donc je sais.
Ah oui, plus des fruits secs. Ok, alors les fruits secs, ça donne de l'énergie, ça ne va pas forcément vous caler. Peut-être que du pain complet, ça cale plus, ou des féculents. Donc, je ne sais pas ce qui serait le plus pratique pour vous. Est-ce que vous préférez rajouter deux tranches de pain complet le soir? Vous avez plutôt faim le midi, plutôt faim le soir? Dans ce cas, vous pouvez rajouter un fruit en plus par jour. Ça peut être une banane les jours où vous avez du sport, ajoutez un fruit. Et puis, voilà. Et puis, ajoutez du pain midi. Je vous dis deux tranches, ça peut être trois tranches si vous avez encore faim. Mais là, de toute façon, vous avez un petit peu de marge, hein. Et puis, on verra la semaine prochaine si vous avez combien de poids vous avez perdu et si vous avez encore faim ou pas. Alors, après, quand on a faim d'une manière générale, en priorité, on va rajouter des légumes. Cru, cuit, entre les repas si vous avez une grosse fringale, pendant les repas si vous voulez augmenter un peu le volume des repas, vous pouvez rajouter des crudités, vous pouvez rajouter une assiette de haricots verts, d'épinards, etc. Maintenant, voilà, Gilles, c'est un homme, il fait beaucoup de sport, il a déjà perdu 25 kilos, il continue à perdre plus d'un kilo par semaine malgré les fruits et le pain qu'on a rajouté. Donc là, effectivement, si vous avez faim, si je m'en mêle entre faim et pain. Si vous avez encore faim malgré tout ça, rajoutez du pain, rajoutez un fruit en plus des légumes. Après, je dis pain complet. Si vous avez l'habitude de manger du pain baguette, prenez un petit morceau de baguette à peu près comme ça, hein. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, je suis un peu bloquée pour cuisiner des crudités, mais je ne vois aucun problème à manger tous les jours des tomates au dîner. Alors oui, il n'y a pas de problème. Si vous préférez les tomates, là c'est plus trop la saison, hein. Ça va pas être très écolo de manger des tomates en hiver. Alors remarquez, si vous habitez dans le sud et qu'elles continuent à pousser, pourquoi pas. Mais sinon, vous pouvez très bien faire des carottes râpées avec. Moi j'aime bien le vinaigre de xérès ou le vinaigre balsamique sur les carottes râpées. Vous pouvez faire des petits champignons de Paris avec un filet de jus de citron, ça c'est super bon. Vous pouvez faire même des courgettes râpées avec du jus de citron. Les courgettes crues. Vous les râpez comme des carottes avec un peu de jus de citron, ça c'est super bon. Enfin, voilà. Après, si vous préférez les tomates, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être de la betterave avec du persil frais. Voilà. Enfin, si vous voulez des idées, moi je peux vous en donner. Et ce qui est bien, c'est que justement avec les crudités, si vous rajoutez, par exemple, si vous rajoutez du persil sur les betteraves, vous pouvez mettre du vinaigre de framboise qui est super bon sur les betteraves. Avec le concombre, vous pouvez rajouter de la ciboulette ou de la menthe. Enfin, avec les herbes, vous pouvez réussir à donner un petit goût que vous n'aurez pas avec la vinaigrette, justement, parce que vous faites des légumes sans matière grasse, et ça permet de donner un petit côté sympa et un petit peu de goût. Donc ça peut être intéressant. Ok, donc pour les compotes. Alors moi non plus j'aime pas les compotes, j'en achète sans sucre ajouté, fraîche en grande surface. Ce serait bien de faire des pommes nature. Eh bien c'est en cours. C'est en cours, il y aura bientôt des pommes nature également. Alors, il est 18h30, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas entendu. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez nous envoyer à l'adresse contact@dietbon.fr. Vous marquez pour Solène avec votre question ou alors sinon sur Facebook en message privé. Alors je ne travaille pas le mercredi, mais à partir de jeudi, si vous mettez vos questions en message privé, moi j'y réponds. C'est moi qui m'occupe des pages Facebook, donc je peux répondre à vos questions en message privé directement, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre patience avec les bugs techniques. Je vous souhaite une très belle semaine, ma sœur, et je vous dis à mardi prochain. Bye tout le monde!